Salut et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait énormément de temps que j'ai pas fait ce format-là en mode vlog où je te parle la caméra à bout de bras. Parce qu'avec mon nouveau matériel, voilà, j'ai une caméra avec un micro, je mets des spotlights et tout, je dois pas bouger. Et c'est un peu chiant, on va dire. Donc, je reviens petit à petit dans ce format vlog. Dans ce format vlog, je vais t'expliquer un peu ce qui va se passer durant les semaines à venir. Durant les semaines à venir, donc je vais faire beaucoup de vidéos en tant que égérie représentant du Fitness Park Pantin, parce que voilà, ça fait plus d'un an que je suis égérie de la salle, enfin un an et quelques mois, on va dire. Et je vais faire quelques vidéos pour eux pour mettre dans les télés salles de sport pour améliorer la communication de la salle, mais aussi la mienne. Mais aussi, j'ai un nouvel associé, on va faire des trainings ensemble, c'est mon gars Jojo. Là, j'ai fait une prise de masse. Ma prise de masse, elle est bien sur moi. Voilà, je suis plus épais, je suis en mode ballon et tout. Mais le truc, c'est que le ventre là, le ventre il a pris cher. Parce que moi, dans une prise de masse, c'est toujours le ventre qui prend très très cher. Donc, on va sauver son alimentation. On va se maintenir où on est niveau poids, niveau masse, on va dire. Mais on va essayer de limiter un peu la casse au niveau du ventre. Parce que là, c'est trop. Donc je me prépare du blanc de poulet. Là c'est en train de décongeler. Tu vois la technique. Et je prends un shaker, je mets le blanc de poulet congelé dedans. Comme ça se décongèle vite dans l'eau chaude. Je vais me faire ça avec des épinards parce qu'il y en a qui sont déjà prêts. Je sais pas si on voit bien, mais je vais manger ça avec ça. Légumes verts très très importants dans le sport, dans la diète. Tout, partout, dans la vie de tous les jours, les légumes verts, ça a pas négligé. Bon là ça vient décongeler, je vais préparer ma bouffe et juste après je vais à la salle faire une séance épaule biceps. Je vais faire ça tranquillement et je vais essayer de te montrer les meilleures images de ma séance. Et je te retrouverai après la salle.
Là, je viens de manger. Je viens de finir la séance tranquillement. C'était pas mal, on va dire. C'était une bonne petite séance épaule-biceps, bah, comme je t'ai dit. Et là, je suis sur l'ordi. Je suis en train de te montrer les meilleures images. Enfin, je suis en train de te monter la vidéo que tu as vue juste auparavant là. Et juste, excuse-moi, je mets mon bonnet parce qu'il fait super froid sur moi. Ah, dans ma chambre, c'est abusé. Et comme je te dis, que voilà, là, je vais faire beaucoup plus de vidéos en mettant en avant mon partenariat à Pantin. Faire beaucoup de vidéos avec eux. Faire des vidéos en mode égérie. Faire des vidéos où, voilà, j'ai un haut fitness park ou la marque. Voilà, pour améliorer l'image de ma salle, mais aussi me faire du contenu. Au niveau de mes vidéos training, je vais faire en sorte de moins parler et basculer du training en masse. Parce que, bien évidemment, mes vidéos où je parlais, où je donnais des conseils, je parlais plus que je m'entraînais. On me l'a fait remarquer dans les commentaires et ça m'a fait réfléchir. Donc, du coup, mes vidéos training vont vraiment être pure training. Je vais pas beaucoup parler et là, tu vas voir du training. Là, tu vas vraiment voir du training de qualité. Après, il y aura des collaborations, il y aura d'autres athlètes qui vont venir sur cette chaîne-là. Je vais faire des trainings avec mon associé. Tu vas avoir peut-être plein de trainings avec cet associé-là, deux trainings où on sera des groupes. Mais je préfère pas en dire plus. On attend. T'inquiète pas, ça arrive. Sur ce, moi je vais te laisser ici. Si t'as aimé cette vidéo, si t'as aimé ce retour au vlog, mets un petit j'aime, mets un commentaire, ça fait super plaisir. Si t'es pas abonné à cette chaîne, abonne-toi à la chaîne. Je prépare plein de vidéos, j'ai plein de concepts, j'ai écrit plein de vidéos qui sont à faire, il y en a qui sont juste à monter, tout simplement. Et moi, je te dis à la prochaine pour la suite.